Kristu jana na leo, mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, nyakati ni zake, katika miaka yote milele na milele. Amen. Chers frères et sœurs, les célébrations pascales nous rappellent bon gré mal gré que notre pays et la nation congolaise ont entrepris un processus de résurrection, de relèvement et de renouvellement. Il nous faut enterrer le vieil homme avec ses pesanteurs, ses habitudes invétérées et ses pratiques impénitentes, pour devenir des hommes nouveaux. Cependant, il ne suffit pas de s'accommoder d'une transformation purement épidermique à la manière des serpents de nos forêts, de nos savanes, qui gardent toute leur nature venimeuse et perfide. Il nous faut plutôt viser à une transformation profonde, une vraie métamorphose, à l'instar des chenilles. La République du Congo, chers frères et sœurs, ne pourra jamais se relever si chacun et tous ensemble, nous voulons mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou bien coudre une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement. À vin nouveau, outre neuve. Nous ne pouvons sauver le pays en perpétuant les antivaleurs et la médiocrité des trois dernières décennies. Chers frères et sœurs, ne perdons pas courage. Nous sommes sûrs de la victoire finale, dût-elle tarder à venir. À tous, et à toutes, mes vœux les plus ardents de joyeuses Pâques.